Hey, salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 24 de Fallout 4. Ça fait trop de 4. Enfin bref, donc, la dernière fois, on devait... merde, faut que je sorte de là. Donc, la dernière fois, on devait... On devait... On devait trouver le réseau du rail en fait, parce que eux pouvaient nous aider par rapport à notre puce et pas le docteur Amari. Donc du coup, Revenez ici si vous avez besoin. On a dû les chercher, on les a trouvés et effectivement, maintenant on a le code qui nous permet en fait de normalement, si tout se passe bien, d'accéder à l'institut. Donc là, on s'approche, bien entendu, comme vous l'aurez deviné, de la fin. Et je pense qu'à mon avis, quand on ira à l'institut, ça sera un peu pas un point de non-retour, parce qu'après, techniquement, on va pouvoir continuer de jouer, mais un genre de, enfin, en gros, ça sera le dernier gros truc à affronter. Donc, du coup. J'espère que ça va tenir sur un épisode. Au pire, s'il sera un peu plus long, bah voilà. J'aime pas couper les fins de Let's Play. J'aime vraiment pas ça. Je sais pas, ça fait un peu crade quoi. Il y a des fois, après, si ça fait beaucoup trop long, forcément, j'aurais pas le choix. Mais j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas ça. Je trouve ça fait un peu crade. Moi, je me dis que je respecte un minimum. Je suis pas le genre de mec à couper juste avant un boss, par exemple. Je suis pas de ce genre-là. Donc du coup, c'est pour ça que des fois, ce sera un peu un poil plus long, des fois, ce sera un poil plus court, parce que je sais très bien qu'après, si je dépasse trop, bah, j'aurai envie d'aller plus loin. Donc voilà. Par contre, les temps de chargement sont énormes. Je sais pas, depuis la mage, là, ça. En fait, la mage, j'ai l'impression qu'elle a foutu quelques merdes en termes de framerate et en termes de chargement. Parce qu'en fait, il faut savoir que la mage a ajouté de la distance d'affichage sur console. À mon Compteur avis, ils auraient pas GGR, dû. ça colle aussi. Oui, mon compteur GGR fonctionne, merci. T'inquiète pas, c'est normal s'il est trop haut. C'est une porte, ça. Vite, ta gueule. Je me demandais si je vous reverrai un jour. Alors, vous avez réussi. J'ai le code. J'aurais dû m'en douter. Après tout, vous nous avez bien débarrassé de Kellogg. Éliminer un chasseur, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Non, pas du tout, J'ai même. réussi à la décrypter. J'ai fait appel au réseau du rail. Oh, cette bande de dingues. Moi qui pensais qu'ils passaient leur temps à venir en aide aux distributeurs automatiques ou aux ordinateurs en difficulté. Désolé, ils n'ont pas une réputation très glorieuse. Moi non plus, je n'ai pas chômé. J'ai fait tout ce que j'ai pu en fouillant dans mes souvenirs et dans toutes les informations que j'ai pu glaner au fil des ans. Et voilà les plans que j'ai pu en tirer. J'ai eu du mal avec ces mains. Elles ne sont pas faites pour du travail de précision. Pour faire simple. Vous allez devoir assembler un appareil capable de pirater le signal utilisé par l'Institut pour téléporter ces chasseurs, de manière à ce qu'ils vous téléportent à leur place. Vous savez ce qui est le plus fou? Cette station de musique classique. Ces ondes servent de signal porteur pour le relais. Toutes les données sont codées en fréquence harmonique. Tout le monde les entend. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon rayon. Je travaille en biosciences, pas en ingénierie ni en système avancé. Je sais que ça va marcher. Attention, je ne vous garantis rien. Mais si vous pouvez fabriquer cet appareil et utiliser le code, vous devriez pouvoir pirater le signal du relais de l'Institut. Vous en êtes capable? Vous connaissez des gens qui pourront vous aider? C'est un sacré boulot pour une seule personne, même comme vous. J'ai la situation bien en main. Tant mieux. Parce que vous devez réussir à entrer, pour nous deux. N'oubliez pas notre accord, hein? Je vous ai aidé du mieux que j'ai pu. Si vous réussissez à entrer, trouvez le sérum.
C'est ma seule chance de redevenir normal. Trouvez-le, je vous en prie. Allez, prenez ça et mettez-vous au travail. Faites le nécessaire. Faites-vous aider par qui vous voulez. Ah ah! Je vois pas mal de choses. Il y a pas mal de choses optionnelles. Ah, j'ai un niveau, vous? Merde, j'ai un niveau. Alors ça, non, vas-y. Ça, non, ça, non. Ça, non. Ça, ça m'intéresse fortement, mais il me faut un point en plus. Honnêtement, les gens, je me tâte. Module d'armes de corps à corps, honnêtement, j'en crafte pas. Là, je peux faire des modules d'armure niveau 2. Ah, je peux peut-être. Scientifique. C'est vrai que je voulais faire ça. Et le prochain niveau, niveau 17, putain. Alors. Alors, je vois que là déjà, il y a pas mal d'optionnels. Parler au... ça c'est pour à mon avis pour avoir de l'aide, tu vois. Ouais. Trouver de l'aide pour construire un intercepteur de ce signal, Alors honnêtement, je pense que je vais aller avec le réseau du rail. Enfin, je suis déjà bien avec eux, mais enfin. Je sais pas. Mais je sais même pas où est la confrérie en fait, à vrai dire. Donc je sais pas. Les miliciens, ouais, ok, il est là. Mais je sais pas en quoi il va m'aider. Réseau du rail. Et j'ai même pas la confrérie sur ma carte. Donc ça veut dire. Ben, ah si, elle est là. Comme ça, de Cambridge. Ouais, mais pour m'intégrer. À mon avis, pour m'intégrer. Non, je vais le faire avec le réseau du rail. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi? Et ben en fait, c'est très simple. C'est qu'en fait, à mon avis, pour intégrer la confrérie et les miliciens, il faut que je fasse des quêtes. Par exemple, j'ai déjà fait quelques quêtes des miliciens sur mon autre personnage et je sais très bien que t'es pas tout de suite considéré comme milicien. Il faut que t'aies fait certaines quêtes annexes. Quêtes annexes que d'ailleurs, je n'ai pas fait. Parce que c'est celle-là. Donc du coup, je vais aller avec le réseau du rail. Au moins, je suis sûr qu'ils vont m'aider, si je dis que c'est pour la bonne cause. Déjà de 1, et en plus de 2, enfin, voilà, c'est déjà fait, quoi. C'est déjà prêt. Et, voilà, c'est pour ça que... Si j'avais fait la quête par rapport au par rapport à aider les paladins avec leur antenne radio, etc. Là, j'aurais peut-être pu aller avec la confrérie, ou si j'avais fait la quête annexe par rapport, bah là, j'aurais pu. Mais vu que là, j'ai déjà débloqué l'accès au QG et qu'ils me considèrent un peu comme l'un d'entre eux, je peux y aller, quoi. Donc, à mon avis, enfin, le plus simple, c'est de faire ça. Après, si vous avez déjà fait les quêtes pour la confrérie, ou vous avez déjà fait les quêtes, parce que moi, c'est vrai que j'ai un peu speedrun le truc. Faut savoir que, je me mets un peu en mode panique de temps en temps quand je fais un let's play et je me dis cette année est blindée de jeux. Et le truc c'est que t'as envie de jouer à plein de jeux mais tu peux pas tous les faire. Et du coup en fait faut que je termine le jeu le plus rapidement possible. Et en fait mon but principal en tout cas c'était surtout de vous présenter l'histoire principale de Fallout. Histoire après d'en faire un avis et de dire dans une autre vidéo ce que je pense au final du jeu, parce qu'honnêtement, le catanex ça va être la même chose, donc en soi, bon bah voilà. Et après, direct, dès que les DLC sortent, bah m'attaquer au DLC. C'était pour ça, c'était en fait simplement pour être tranquille.
Et je pense que du coup ça. Après vous allez me dire ouais mais t'as pas profité du jeu, patati patata, oui, mais le jeu j'en profiterai plus tard. Avec vous, en faisant des quêtes annexes, c'est pas un souci. Le jeu, comme j'ai dit, après mon let's play qui va arriver après là, je reprends Fallout s'il n'y a rien de vraiment intéressant. Je voulais faire. Je sais pas si Coco va s'occuper d'Uncharted, je ne sais pas du tout. Bonne question. J'espère que le comité d'accueil ne vous a pas fait peur. Desdemona. On se frotte à Tiens, l'institut. Regardez qui voilà. Quel bon vent vous ramène. Je dois fabriquer un intercepteur de signal qui me fera entrer dans l'institut. Si l'un de mes agents me disait un truc pareil, j'aurais du mal à le croire. Alors, Salut! Écoutez, vous avez manifestement beaucoup de talent. Vous seriez une recrue de choix pour notre groupe. Alors prouvez-le. Participez à l'opération avec Deacon. Putain de chien! C'est quoi ton truc à la con là? Je comprends que votre chef veuille prendre des précautions. On sait qu'on est tous dans le même camp. Exactement. Maintenant, c'est pas forcément la meilleure méthode pour devenir pote avec les nouveaux venus. Mais tout va bien maintenant. Je me suis porté garant de vous, et personne n'a fini en gruyère. Enfin, vous pouviez éviter de nous vendre à l'institut, ce serait super sympa. Ne vous en faites pas, je garderai le secret. Voilà ce que je voulais entendre. Dez veut faire de vous un de nos touristes. C'est le nom qu'on donne à ceux qui font des petits boulots pour nous, ici et là. Du gâchis, si vous voulez mon avis. Je vais vous le dire, Franco, le réseau du rail a besoin de vous. Je suis tout ouïe. J'ai un boulot impossible à faire seul, mais avec vous, ça sera nickel. Vous me filez un coup de main, on fait parler de nous, et Dez vous accueillera à bras ouverts. Et si vous vous retrouvez dans le pétrin un jour, vos potes du réseau du rail seront là pour vous. Dans ce cas, je signe tout de suite. Parfait. Retrouvez-moi sur la vieille autoroute à la sortie de Lexington. Une fois là-bas, je vous mettrai au parfum. Je vais faire sa quête à la con. J'avais pas prévu ça. T'es le jeu qui te dit non c'est pas fini, non c'est pas fini, toi tu sais que c'est bientôt fini, tu sais que juste derrière c'est la dernière quête, non c'est pas fini, non c'est vraiment pas fini, t'es ta gueule. Et du coup je disais quoi, je disais ah oui, je sais pas si comme j'ai dit il s'occupera d'Uncharted 4, honnêtement, enfin moi les prochains jeux qui m'intéressent à part The Division, parce que The Division à l'heure où ça sera sorti, bah The Division sur deux chaînes ça aura déjà commencé. D'ailleurs, j'espère que ça vous plaira. Surtout. Après, ce qui m'intéressait comme jeu, c'était Ratchet & Clank en avril. Et du coup, bah, vu qu'il a été porté bah, Uncharted en mai. Mais vu que je fais déjà quelque chose en mai, je sais pas si lui s'en occupera ou pas. À mon avis, ça dépend de son Gravity Rush. Je ne sais pas. Donc du coup, wow, je peux mettre un bépied? Ah, c'est peut-être un calibre 50 celui-là. Parce que le mien est pas du tout pareil. Hein. Enfin moi c'est la même crosse, mais. Et du coup voilà, en fait le truc c'est que. Le plus dur quand t'as plusieurs jeux qui arrivent en même temps. Bah c'est que tu sais pas ce que je veux dire par contre, ici je crois qu'il y a un coffre. Ah mais non, je l'ai ouvert. Et dans cette situation là, bah t'es un peu dans le caca. Vous voyez la centrale là? C'est une quête annexe pour les miliciens. Je l'ai faite la dernière fois. Elle est longue et c'est à se perdre quoi.
pas à m'énerver. Hein? Moi aussi, il faut pas m'énerver, mon pote. Je devrais plus beaucoup lui servir. Alors. Et du coup, c'est ça en fait qui est le plus dur, c'est que tu te dis, bon bah. Du coup, tu t'es obligé de dire, bon bah, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Et du coup, voilà. Bah, il est là, ce con. Eh hey. C'est vous, Deacon? Mon déguisement vous plaît? C'est une tenue de camouflage des terres désolées. Dégage, pourriture. Il est à moi, ce tas d'ordures. Pas mal, hein? Et encore, vous avez de la veine que j'ai pas changé de visage. J'ai failli ne pas vous reconnaître. C'est le but. Bref, parlons du boulot. Le réseau du rail se sert que depuis peu d'Old North Church. Notre ancienne base était sous un Slocum's Joe. On était plutôt bien installés. Et puis, l'Institut nous a trouvés. Vous m'en direz tant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là? Les survivants n'ont pas eu le temps d'emporter quoi que ce soit. Donc on va récupérer un truc important qu'on a laissé sur place ce jour-là. Ok. Allons chercher votre truc. On a quelque chose à faire avant ça. On a un touriste dans le coin qui a des infos sur la base. Donc on va l'interroger avant d'y aller. Pour le moment, je passe devant. Et donc je cherche des signaux ferroviaires, des symboles qu'on utilise pour se transmettre des messages. Si ça vous plaît, on a aussi des contre-signaux, des boîtes aux lettres mortes, et même une poignée de main secrète. Elle n'a pas eu un grand succès, par contre. Enfin bref, le touriste a dû nous baliser le chemin. Ok. Ah, et du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais. Notre touriste se trouve par ici. Et du coup, bah, ça fait que, enfin, sur une chaîne, tu peux jamais tout faire. Enfin, si tu peux tout faire, mais ça prendrait un boulot de ouf. Et je trouve, hein, que je vous mets déjà assez de contenu par semaine, que ça soit sur l'une ou l'autre chaîne. Donc, est-ce qu'on voit les gens? Non, y a pas cette sans affichage. Je vois un autre signal, là-bas. Tu... Oh. Ouh, putain, un scotch. Et l'autre, on doit plus être loin. Notre relève, putain. Mon fusil à pompe qui a zéro dispersion, quoi. Ouais, Deacon, dégage. Putain. Mec, il shoot dans un squelette sans pression. J'ai encore oublié de prendre la durée de l'épisode, hein, enfin de l'heure où laquelle j'ai commencé. Hein. C'est ouf, hein. J'oublierai à chaque fois, de toute façon, c'est systématique. Vous voyez le plus au centre? Ça veut dire qu'il y a un allié tout près, notre touriste. Je vous laisse mener la conversation. Quoi qu'ils vous disent, répondez, le mien est en réparation. Faites-moi confiance.
Salut, ça va? Le mien est en réparation. Ouais, ok, j'ai compris. Le mien est en réparation. Ah, oh, mais c'est bon, va te faire foutre. Le mien est en réparation. Oh. Le mec, il y a pas mon. Écoute, moi je te pille, hein, avant tout. Faut pas déconner. Merde, ça me prévient plus quand je. Je suis tout, oui. Alors. C'est vrai que j'ai un lance-missile sur moi. Je vais te le filer. Ouais, je te garde un peu de réserve. Hey. Pouf, vous avez un compteur Geiger? Est-ce que vous avez un foutu compteur Geiger? Le mien est en réparation. Et qui c'est ça? Le QG m'a dit de m'attendre à voir débarquer un agent. Pas deux. Désolé, je suis nouveau. Il m'apprend le métier. Bon, d'accord. Mais franchement, j'ai bien cru que j'allais y rester. Il était vraiment temps que vous vous pointiez, putain. Du calme, bonhomme. Ou on va finir par avoir un problème. Des problèmes? J'en ai par-dessus la tête. Votre petit Slocum Joe de merde grouille de ces enfoirés de synthétiques à tête chromée. L'entrée est fortifiée comme c'est pas permis. Ils ont collé des mines partout, ces fumiers. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. J'espère que ça vous aidera. Vraiment. Dès que le coin sera un peu plus sûr, je me tire. Alors, si vous avez autre chose à me demander, maniez-vous. Sir Ricky est un vrai rayon de soleil dans cette journée morose. À votre avis, il dit la vérité? Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de malhonnête. C'est ce que je me disais. Et la première règle chez nous, c'est de toujours suivre son instinct. Alors, si on croit sur parole, l'entrée est bourrée de mines, de synthétiques et sûrement de tout un tas d'autres trucs sympas. Donc, on va passer par le tunnel d'évacuation. Passer par le tunnel devrait être plus facile que tenter un assaut frontal. Oui, mais pas au point d'être une promenade de santé. Passez devant. Je couvre vos arrières. Ok. Prendre mon pistolet ultra cheaté de la mort qui tue. J'ai pas. Là, c'est pas ouf niveau munitions, quoi. Ah, je vais prendre ça, tu vois. 725 munitions. Allez. Hi-ha! Non, c'est génial. Vas-y, fais pareil, Nick. Alors, comme ça, ils font trop. Croqueur a joué les bouchers amateurs avec le pauvre Earl. Il y a des jours où je suis content de pas être fait de chair et d'os. Bon, vous m'avez saoulé. Vous m'avez fait trop peur en plus, putain. Bah c'est là. Je sais pas du tout la longueur de l'épisode, du coup je vais. Bon allez, on va se dire que je vais arrêter là. Parce que comme je vous ai dit, je sais pas du tout la longueur de l'épisode, donc du coup, histoire d'être sûr. Mais attendez-vous à croiser des synthétiques de première et deuxième. Bon, bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner, ça fera vraiment plaisir. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, plus de vidéos. Allez, ciao!